Allez-vous, c'est mardi, on a la pêche. Attendez, hop, j'en profite pour mettre mon téléphone en silencieux. Parce que je ne sais pas vous, mais c'est au moment où vous ne pouvez pas répondre au téléphone que les gens vous appellent. Par exemple, moi, c'est quand, quand je monte sur ma bicyclette. Normalement, j'ai un, un message, un appel, euh, voilà, une notif. Euh, genre, ah, eh bonjour Fougnon, oui, demain c'est vendredi, ouais! Euh, salut Owen, Owen, merci Owen. Ah, pendant que je te tiens, Owen, bah si je te tiens, complètement, complètement captif. Bah, je remets ma moustache parce que j'ai en train de voir là, en vision périphérique sur le retour que. mieux. Euh, dis donc Owen, il faut que tu ouvres une boutique de une boutique de gâteaux. Il n'y a, a pas à tortiller il euh, y a pas à tortiller. faut que tu ouvres une boutique de gâteaux. J'ai encore mangé tout à l'heure de, un de tes petits délices euh, mandarine chocolat ces petites clémentines chocolat je sais pas qu'est-ce que c'est bon on a explosé ceux euh, à la canneberge. Et les petits palais là, c'est même pas la peine. Hop là. Euh, Bonjour Fratus. Bonjour Yavetil. Bonjour Laser. Bonjour Poulpe. Bonjour Soupape François. Il dit soyez, soyez gentil, elle mouchi. Regardez. Poche gauche, le petit mouchoir. Poche droite, la petite poche à mouchoir. Hop, de côté pour ne pas faire de pub. Non, parce que la Super U, Leclerc, hein, tu te dis oui. Alors, le mec, euh, il va pas chez le petit commerçant. Mais voilà. Écoutez. Pour vous rassurer, je n'ai que le mouchi. Voilà. Je peux fonctionner, je peux travailler, je peux venir faire l'andouille euh, sur Twitch, etc. etc. Salut, Bria Bria. -Bri, Bria Reos. Pardon. Et dis donc, Etilis. Alors, Etilis, c'est drôle que tu sois là parce que. Aujourd'hui, le stream est à ton honneur. Eh oui, euh, nous sommes partis avec Etiliste euh, dans ce qu'on appelle le Grand Sud, hein, euh, la forêt de Fontainebleau. Euh, pour, euh, je ne je, je, je m'éloigne pas trop de la vérité, Etiliste, ta première sortie ou ta sortie la plus engagée en tout terrain, on va dire. Voilà. Donc c'est chic parce qu'on voit les on voit les cyclistes naître comme ça à l'aune 2. Mais non je déconne c'était moi. Euh, trouver leur marque, faire un couple avec le vélo aussi parce que selon le vélo euh, dans tout et un ou dans les parties techniques euh, on n'a pas les mêmes réflexes. Il confirme ses propos. Voilà. Et qui dit, ils ont tous disparu les artisans du mouchoir en papier. J'imagine quel le petit artisan là, au fond de son atelier là, à faire les mouchoirs en papier un par un avec amour, peut-être avec un petit mot, comme sous-pape François quand il envoie du courrier, de temps en temps il met des petits mots sur les enveloppes. Salut Birout. Alors, aujourd'hui un éphéméride, attention. Alors, nous sommes le 23 janvier, ça, ça a échappé à personne, salut Frédégonde. Bonjour Toine qui nous dit je regarde depuis le bureau de mon nouveau travail ou du nouveau travail, je sais pas si c'est son nouveau travail, du nouveau travail. Euh, je mets mes notes devant moi, hein, comme ça ça m'évite de... Alors, éphéméride du 23 janvier. Euh, c'est l'anniversaire de... Euh... Alors oui, bon, un anniversaire controversé, mais bon... Euh... Uh, Richard Fitch, uh, qui était le fondateur de Casey and the Sunshine, je crois que c'est the Sunshine Band, uh, ce qu'on fait. That's the way I like it. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai un browser là ou pas là. Hop, uh, nouvelle fenêtre. Je vous mets ça de côté comme ça, hein, vous n'êtes pas embêtés. Hop, 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 ben Vous aviez disparu pendant une seconde. Donc, vous allez m'écouter ça. Parce que ça, c'est assez cool. Vous allez voir. Vous lancez ça en soirée, normalement. Tout le monde fait, ah, trop cool. Merde, j'ai plus de retour. Parce qu'ici, c'est technique. Hop, là. Casey and the Sunshine Band. Donc, alors... C'est un peu particulier parce que c'est un groupe de funk blanc de Floride. Bon, moi je les voyais plutôt noirs, côte ouest, bon bon, ou plutôt euh, un peu plus au nord, genre New York. Mais bon, c'est pas grave. Euh, euh, donc, j'allais faire en fait mon highlight euh, sur euh, Richard Finch, donc qui est le cofondateur euh, de ce groupe avec ce tube. Que vous, avez, que vous jouez chez vous actuellement. That's the way uh -huh, uh -huh, I like it. Uh -huh, uh -huh. et ben, bah ouais, bah Richard Fitch, il a terminé en zonzon -zon pour euh, avoir fait Zizi Pompan -pom avec des mineurs. Ça s'appelle de la pédophilie. C'est non seulement euh, pas bien, c'est pas bien, mais en plus, c'est euh, contre la loi. Donc, il a fait 7 ans de tôle. Et d'un seul coup, vous bougez beaucoup moins sur ce morceau, euh, sur ce One Hit Wonder. Euh, du coup, voilà, bon. Après, vous pouvez le garder hein, dans votre playlist. Euh... <laughs> Corélissane qui dit « Ah, pas mal !» Surtout qu'après, quand on regarde sa discographie, c'est « Do you want to party with me euh, ?» Et d'un seul coup, tout prend une autre saveur, un peu comme si, euh, je sais pas moi, euh, euh, Henri Dess était pédophile et d'un seul coup, vient jouer avec moi à la poupée dans ma petite cabane. D'un seul coup, ça prend une autre, une autre texture. Euh, elle ne la quitte plus du tout, dit, dit Laser. Lazur. Euh, alors, à côté de ça, comme on dit aux États-Unis, il a purgé sa peine et il a fait 7 ans de euh, euh, Et avant le highlight du jour, donc, on souhaite un joyeux anniversaire à Florian, qui est né le 23 janvier, mais en 1992. Euh, et pourquoi je vous parle de Florian Parce que c'est le cousin de Soupape François. Et il m'a dit si tu pouvais lui passer un petit mot, parce qu'il te regarde religieusement. Euh, Joyeux anniversaire, Florian. Euh, je ne te connais pas, mais si tu as la moitié du talent et de la bonne humeur de ton cousin Soupape François, je t'aime déjà. Euh, qui est né <laughs> Qui est né euh, le 23 janvier aussi C'est là qu'on fait le reveal. Alors, personne ne le connaît. Alors, euh, d'entre vous, personne ne le connaît. Là, on est vraiment dans du. Pour, euh, euh, pour info, ce n'est pas une photo que j'ai trouvée sur Wikipédia, c'est une photo que j'ai prise moi, puisque c'est un ami à moi. Mais vous allez voir qu'en fait, on retombe sur nos pattes, puisque c'est une photo de Jason de la Roca. Et Jason de la Roca a été euh, président de l'IGDA euh, pendant une dizaine d'années, au début des années 2000. Et donc, il a, euh, il a œuvré euh, à créer cette, cet environnement euh, pour, le, pour le développement de jeux vidéo. D'un seul coup, un invité mystère arrive. Mais c'est Monsieur Chat Bonjour Monsieur Chat Dites bonjour à Monsieur Chat. Bonjour Monsieur Chat Des bisous Il a fait des bisous. Il vient, il vient récupérer un énorme carton et après il s'en va. <laughs> Brillaréos, j'avais pas vu ton commentaire. Un peu comme les films de deux Y avait-il qui dit il faut séparer l'artiste du pédophile Qu'est-ce que j'ai lu ce matin qui m'a bien, bien fait rire Il faut séparer le ministre de l'éducation avec le ministre des sports. <laughs> euh, salut NZ, comment vas-tu Kalimanudo, euh, gros bisous à vous tous. Euh, donc, ma, ah bah la femme de Y avait-il Alors. Euh, femme de Yavetil, Yavetilette, je ne sais pas euh, comment elle se prénomme joyeux anniversaire à vous je la vous vois, je ne connais pas euh, donc euh, jason de la rocca qui n'est pas le chanteur de rage against the machine euh, donc a été a présidé euh, l'igda l'international game euh, developer association euh, et un homme absolument délicieux. Aujourd'hui, il est consultant, un peu comme les gens qui, qui ont un peu tout fait et qui, et qui ont le, de, un gros carnet d'adresses et un peu d'influence. Euh, donc, il a une société, je ne me rappelle plus de son nom aujourd'hui, mais enfin, on s'en fout, c'est vraiment du B2B. Euh, il est canadien, euh, Jason de la Roca, canadien anglophone. Jason. Happy 50th birthday. Et oui, c'est son 50e anniversaire aujourd'hui. Cet homme, je l'ai rencontré... Bah alors en fait, il est sur tous les salons. Hein. Il, est, il a fait toutes les, toutes les belles heures de l'E3. On le voyait sur scène évidemment à toutes les GDC. Euh, mais dès qu'il y avait un morceau de podium à remplir, euh, on lui tendait le micro, il était là, il faisait le job, comme on dit au Québec. Alors oui, Laser, c'est une, une, une de ses particularités, euh, Jason. Euh, il a des chemises complètement hallucinantes. Et là encore, je vous ai mis la version noir et blanc, mais parce qu'en fait, la version couleur, il faut des lunettes de soleil. Euh, alors. alors c'est bien tout ça, mais maintenant il est 14h11 et on a déjà mangé un peu la. Est-ce que vous voulez faire du vélo? Rest in peace 3. J'aurais tellement de trucs à vous dire sur le 3, parce que moi j'en ai, ai fait une bonne quinzaine. J'ai commencé le 3 en 1998. Et je crois que le dernier que j'ai fait, c'était retour au Convention Center après euh, l'aérodrome de Santa Monica. Et ça devait être... Euh, il y a 5 ans 6 ans Il y a 6 ans je crois que c'était deux ans avant le. Je crois que c'était 2018. Mais c'est ça, il y a six ans. J'aurais des trucs à vous dire sur l'E3, mais alors, long comme le bras. Parce que du coup, euh, ouais, ai... quand je dis 15, c'est plus de 15. Je dû en faire 16 ou 17. Euh, c'était vraiment génial. Euh, le temps que ça a duré, c'était vraiment génial. Enfin, hein, au pic de l'E3, c'était vraiment ce qui se faisait mieux. Bref, on y va. Alors, du coup, voilà. Alors, vélo. Alors, contexte. Nous sommes partis de Melun. Oui, parce qu'il y a des fois, il faut savoir euh, décrocher pour, euh, pour s'ancrer. Euh, nous sommes partis de Melun. Vous voyez, là, c'est le petit drapeau qui est, euh, qui est là. Et on est reparti de Melun, aussi. Hein, euh. Ouais, Briareos. J'ai du mal avec toi. Je vais t'appeler Bria, c'est plus simple. Oui, Bria. C'était complètement fou. Euh, donc, nous sommes partis de Melun. La ville la plus dangereuse euh, euh, dans le combat euh, bus-vélo. Tous les cyclistes euh, avec qui j'en ai discuté, ils me disent Melun, c'est génial Sauf les bus. Voilà. Pour le savoir. Nous avons fait un tour euh, qui part euh, à l'ouest et qui revient euh, à l'est. Et je crois que la vidéo se coupe à peu près ici. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait, euh, après, on a pris de, de la route. Donc là, on va vraiment faire toute la partie euh, tout terrain. En bas, euh, l'air euh, grise euh, qui est juste là. C'est la déclivité. Donc, vous voyez qu'on n'a on a pas dépassé les 150 mètres. On est parti de 50 mètres. Donc là, on est sur du, on est sur de la. Bah, bon, il n'y a pas de, il n'y a pas de D+. Hein. Salut le lilol. Hop, je bois un peu de thé. Et donc en dessous, voilà Fontainebleau avec son château, c'est très joli. La forêt de Fontainebleau, donc, qui parle de, de, de Melun, qui va largement en dessous de Fontainebleau, elle est très très grande. Et une des particularités de, de la forêt de Fontainebleau, c'est ses blocs rocheux et son côté un peu lande. Il euh, y a beaucoup de pins, il y a beaucoup de sable, il y a beaucoup de rochers, il y a beaucoup de, de fougères. Vous allez voir, c'est euh, alors bon, là en hiver, les fougères euh, elles sont malmenées. Hein. Alors, forcément, il y a un moment, il faut sortir de la ville. Est-ce que, est que tout le monde a passé un bon week-end C'était le dernier week-end où il faisait froid. J'ai vu. Où est mon machin hein, Alors, je roule avec Etiliste qui est en violet et le bon Paco en orange. Qui va certainement arriver d'ici une heure dans le chat en disant salut, j'ai rien loupé. Euh, euh, salut Franz, comment vas-tu? Franz, nous sommes à Melun. Alors, euh, comment ça 3 selon Agar? J'ai pas, j'ai pas là. La... Tu parles de, de la température? <laughs> Fred qui dit eh, j'ai loupé euh, les conditions, euh, pas très chaud. Hein. Je crois qu'il doit faire euh, effectivement 3-4 degrés, pas très chaud, mais euh, bon, c'est pas euh, c'est pas saisissant. surtout que, euh, euh, surtout qu'à alors là, je, je, je mets mon bras et je change de fil. Il y avait une voiture derrière qui arrivait à fond, pas celle-là, celle qui nous, celle-là. Là. Et le mec qui m'a fait des appels de phare, genre qu'est-ce que tu fais là Bah, j'indique que je vais tourner, je tourne. Et toi, t'arrives beaucoup trop vite. Bref. Salut Crazy Warthog. Euh, je disais quoi Bah voilà que je me suis euh, interrompu moi-même. Bon, là on jardine deux secondes. Hop, je remets le truc. Alors là, c'est pareil, à Melun, ils ont choisi des pistes cyclables sur le trottoir, qui se transforment donc en parking sur le trottoir hein, pour, le, pour le marché. c'est pas, euh, pas très pratique. Euh, c'est pas, pas la première fois que je viens à Melun. Et je constate à chaque fois que il y a des tentatives hein, pour les équipements vélos, mais rien n'est vraiment abouti. Melun terre de contraste, dit euh, Je sais pas, hier dans Scroll News, il voulait t'appeler Denis, Denis, Denis. Ah oui, bah, il m'a pas dit ça tout à l'heure au café. Alors, je dirais pas, euh, laser. je ne dirais pas que c'est beau, Melun. Il euh, y a une très belle prison euh, sur, la, sur une presqu'île euh, sur la rivière. Je sais pas d'ailleurs qu'est-ce qui, qu qui passe comme rivière à Melun. Je ne sais, sais pas si c'est la Seine ou une autre rivière. Euh, et tu dis là, c'est chic parce que toutes les fenêtres de la, de la maison d'arrêt, ils ont, ils ont vu sur la nature et, et la rivière. Écoutez, on se console comme on peut. Hein. On vient de prendre 10 ans. Euh, au moins, on a une belle vue. C'est assez sombre aussi. Alors, Franz Kefta, quand on, quand on va à Montargis, on passe à Melun. Oui. <laughs> Ambroise vient confirmer euh, le, 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 la bonne entente entre les vélos et les bus à Melun. Comment ça, c'était n'importe quoi Bah si, t'as dû, as, 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 as dû marquer les esprits, les esprits Ambroise, puisque c'est le, la, ça a été la, a été la, la première chose que m'a dit euh, Franz. C'était la pipeacrap qui parlait. Oui, le centre de Melun, dit Ambroise. Là où il y a la Seine, c'est vrai que c'est joli. Il y a un petit centre-bourg qui, euh, qui est pas mal. Euh, donc là, on est euh, dans le Melun résidentiel. Hein, vous voyez, ces euh, places de parking pour les automobiles et ces pavillons qui sont encore un peu sous la neige. Parce que là, on est quand même euh, on est à une demi-heure de, de Paris en train. 25 minutes, un truc comme ça. En direct, hein, donc ça fait quand même... Euh, or, on doit être entre 30 et 40 bornes au sud de Paris. Euh, et on a, eu quand même, on a vu quand même pas mal de neige. Donc euh, 5 degrés, mais, mais là c'était le redout. Et alors là, on rentre dans une zone bleue, mais je ne sais pas trop trop ce que c'est une zone bleue à Melun en fait. Euh, Est-ce que, est, est que la vitesse est limitée Parce qu'ils disent juste zone bleue en fait, sans autre euh, explication, genre vous devez être au courant. Nul n'est censé ignorer la loi. Ah, c'est des... Zones bleues, c'est les zones à disques. Ah ouais, les places... De... Alors j'avoue, euh, Sarianox, les places de parking sur le rond-point. Dis-là, les gars... Euh... Puis regardez-moi ça. Merveille de l'ingénierie. Un Land Rover tout carré. Ça, je peux te dire que pénétration dans l'air, on, on est au top. Allez, on va arriver dans les bois. J'avance un petit peu parce que là, on sort de la zone bleue. Et... Ah oui, là, il y a un bout de... Il y a un bout de route et après, on rentre dans les bois. Ça y est. Toine nous dit qu'il faut, faut un disque pour le stationnement. Bah, en fait, c'était l'ancêtre le, le, de, de, du, du parking temporaire. Euh, tout le monde avait un disque dans sa voiture. Enfin, moi, quand j'ai passé mon permis de conduire en 1712, euh, tout le monde avait un disque. On n'avait pas de gilet jaune, vous voyez. Euh, la ceinture de sécurité était obligatoire à l'avant, pas à l'arrière il fallait protéger les conducteurs pas les passagers et aussi dans l'équipement obligatoire on avait ce petit disque donc c'était un truc en carton avec une roue à l'intérieur qu'on faisait tourner et dessus on mettait l'heure à laquelle on se garait et tout qu'on mettait ça sur le, la plage avant qui était donc visible à travers le pare-brise et sur des zones où euh, la limitation était à 30 minutes de, de stationnement si les pervenches passaient donc, les pervenches c'est l'ancêtre de la voiture qui prend les photos pour le stationnement. Euh, si la pervenche passait et que vous aviez dépassé vos 30 minutes, hop, il y avait une amende. Sinon, c'était... Euh, ou si votre disque était euh, plus tard que l'heure de passage, là, on disait, dis donc, t'as dit que t'es arrivé à 14h, mais là, il est 14h moins le quart. tut Donc là, c'est pas vraiment l'idéal. Hein. Vous allez voir comme équipement pour les vélos. Parce que là, on est à 50. On est à La Rochette, c'est donc le sud de Melun. Et La Rochette, c'est le début de la forêt de Fontainebleau. Alors, Calémanudo c'est plus d'actualité à Paris. Euh, c'est terminé. Euh, et d'ailleurs, en région parisienne, euh, je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu. Et Corélie Sane, t'habites où Par, si, si tu peux le dire. Parce que tout le monde sait que tu es un agent secret. Euh... Salut Altos! Les enfants, c'est solide. Attends, j'ai loupé un truc. Euh, donc, Corélie, où est-ce que tu habites? Dix, c'est euh, toujours chez moi. Donc, euh, je ne sais pas où tu es, Bria. Euh, Et toi, Laser, non plus. Salut Scorneigneux! Donc là pour l'instant, on vend du rêve hein, au niveau de la balade, hein, parce qu'on a fait zone résidentielle et là euh, autoroute. Parce que voilà, déjà, il n'y a pas de place, vu qu'il y a un terre-plein et que les gens veulent absolument nous doubler, ils bah, bah, passent quand même. Je vous rappelle que là, c'est 1m50 hein, euh, euh, au-delà du vélo, enfin sur le côté, pour pouvoir passer c'est la loi. Et là, bientôt, on va avoir un panneau euh, 60, 70 ou 90, je crois. 70. Et bientôt, 90. Euh... Ouais, ou deux on est complètement déconnecté. Mais c'est surtout que je suis un peu déconnecté parce que j'ai pas de voiture à mettre en stationnement, moi. Ça existe encore en Ile-de-France, par contre c'est en voie de disparition. Je ne sais pas d'ailleurs par quoi c'est remplacé, mais en même temps c'est du déclaratif. En Charente, nous dit Coralissane. D'accord, ok. On, on salue la Charente et son cognac. Bonjour Spool, comment ça on est vers chez toi On vient de démarrer de, 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 de Melun. Et là on file vers le sud. Pouf. Wow. Ça, ça fait un peu peur en fait, euh, quand on se fait doubler comme ça. Moi, j'ai pas de rétro, hein. donc euh, j'entends je, je, ce qui arrive dans mon dos, mais je, je, je sais pas à quelle vitesse. Ah, les gens, ils roulent vite là. Mais là, heureusement, hop, les voitures ne peuvent plus nous suivre parce qu'il y a une barrière. Un agent secret en Charentaise, dit Fred. Ah, bah oui, le Pinot, évidemment, Coralissan, évidemment. Et l'île de Ré. Euh... Altos, bah écoute, je, je réponds à ta question en vidéo. Voilà. Ouais, laser, en fait, bah, c'est un mal nécessaire parce que. Euh... Enfin, c'est un mal nécessaire, je sais pas si c'est un mal nécessaire. Mais en tout cas on a... Il euh, y a... Vous me dites si ça passe chez vous. Parce que je regarde le retour, ça a l'air d'être fluide. Dites-moi si c'est fluide chez vous. C'est fluide chez Ambroise. En même temps, il est à l'étage au-dessus. Euh, donc euh, euh, je répondais à quoi Ça fait un peu... Ça agresse un peu ces déplacements. Oui. Le truc, c'est que t es, t es, de temps en temps... Euh, de temps en temps, il y a... Tu as, as, as plus vite fait de prendre une, une départementale ou un, même voire un bout de national euh, pour, attraper des, pour attraper des routes un peu moins, euh, un peu moins utilisées ou, ou même des, des, des chemins forestiers comme ça qui sont tout à fait praticables. Vous voyez là, on n'est pas dans le VTT euh, engagé extrême. Euh, quoi, le max qui puisse nous arriver là, c'est un peu de boue. Mais euh, sinon, euh, on n'est pas en train de grimper sur des rochers. Est Ce qu'on va, un... qu va faire dans 20 minutes, <laughs> vous allez voir, <laughs> ça change un peu de, de décor. Euh, Corélissa nous dit, c'est bien flouté. Comment ça, c'est bien flouté Parce qu'en revanche, au niveau de la netteté, moi, je l'ai. Non, je demande, si je, moi, je demandais si ça s'accadait pas. Sur mon retour, ça ne s'accade pas, hein, mais euh, après, c'est OBS. Et puis sur mon écran euh, principal, ça ne s'accade pas du tout. Mais bon, là, parce que je l'ai en direct. Oh, ils sont moins alignés que dans l'élan, les, hein, les, les arbres ici, euh, Fred. Et hein. <laughs> Ambroise qui dit Super les gens au boulot qui bouffent la bande passante pour leur, vis pour leur visio, <laughs> empêchent les autres de regarder Twitch. Ou le vélo. C'est vrai que la, le Twitch aime pas la nature. Hein. Je me rappelle de... C'était quoi C'était euh, bah l'aller-retour qu'on avait fait euh, à, à Montargis. Il y avait eu un passage, c'était dégueulasse je vous, passe les, je vous passe les moments où on s'est perdu. Hein. Et hop, on n'est plus perdu. Euh, je suis en 1080 et donc la vidéo est en, euh, On s'en fout de la vidéo. En tout cas, le broadcast. Broadcast. La diffusion est en 1080 euh, et c'est une vidéo donc normalement ça devrait passer et le bottleneck effectivement euh, c'est twitch ah oui quel est manudo ça serait tellement bien 30 000 ah oui attends Owen j'avais pas vu 30 000 employés j'avais lu 30 moi, comme un comme comme un neuneu 30 000 employés Mais attends, tu travailles pour, pour qui Bricorama c une, 30 000, dis donc, ça fait beaucoup d'employés. De, tu travailles pour la France, peut-être Oui, il y a un peu de boue, mais vu qu'il faisait froid, c'est oui, un peu comme euh, rouler sur des... Euh, sur des, des petits craquelins, voyez ça fait cric cric il n'y a pas de boue en fait la boue elle est figée potentiellement plus que 30 000 mais comment tu fais une visio avec 30 000 d'ailleurs ça, ça te fait quoi d'avoir une visio de 30 000 personnes c'est 30 000 personnes qui regardent un flux c'est pas 30 000 personnes en visio Ouais, Bria, j'imagine que les algos, ils se. Ils, 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 ils arrivent à extrapoler beaucoup de trucs. Et dès que tu donnes un truc complexe, euh, là, effectivement, les bas-côtés, les feuilles, euh, les branches, etc., vu que tout est aléatoire, le, les algos, ils sont là. Et ils, ils extrapolent plus. On a vu quelques promeneurs. Sinon, c'est vrai que vu la taille de la forêt, on n'est pas emmerdé euh, par les. On n'est pas emmerdé par, le... par les autres. Vous voyez, il y a encore un peu de neige sur les troncs d'arbres, là. Rien à voir avec euh, chez moi, en Savoie, où là, il y a deux mètres de neige devant la maison. C'est Arianox qui dit le Yeti. Alors, le Migou, je ne sais pas ce que c'est. Il va falloir que tu nous expliques. Ça se trouve, c'est un truc local Ouais Corellisan c'était encore euh, enfin gelé, tu sais, euh, crousty quoi. Parce qu'il fait 5 degrés. donc euh... Alors là je crois que c'est la pause pipi. Donc voilà. Heureusement que vous avez pas les. Vous n'avez pas l'ambiance le, le, sonore. Oui, parce que quand on fait pipi, on raconte plein de blagues aussi. Coupe la cam. Ah bah on fait un tour des vélos. Alors le marin de, de Paco. Paco a changé de pneu. Il a mis des 50 mm. Regardez-moi ces... Regardez-moi ces trucs là. Ouais il est hein, il est confort. Hein. Euh, notre ami et est en 40 je crois. Et moi je suis en 48. Un magnifique Fuji euh, Gravel. Très joli. Et en face, bah vous le connaissez, hein, c'est le petit lapierre en titane. Euh, route 26, très agile, très confortable. Petite addition, euh, c'est pas une addition, ça c'est un anglicisme. Euh, pe Petite modification. Pour la première fois de ma vie, j'ai mis, monté une Selbrooks, Brooks euh, ici qu'on voit, on voit assez mal, hein. euh, qui est leur haut de gamme en caoutchouc qui s'appelle la C13 avec des rails en carbone. Donc, elle pèse absolument rien. Et alors, qu'est-ce que c'est confortable Oh là là Étonné que j'étais d'avoir une selle aussi confortable. Vraiment. Euh... Euh... Alors. Ah, 38, c'est pas du 40, euh, c'est pneus, excusez-moi, c'est du 38. Euh, le Migou, c'est le nom du Yeti dans Tintin au Tibet. Merci, Cyanox. Même pas des freins à sur le Lapierre, il y a une raison. Kalé bah, Manudo, c'est un vélo qui a été fabriqué quand les, les freins à disque n'existaient pas. Euh, alors, accessoirement, petit rappel euh, le frein à disque, ce sont des plaquettes. Qui viennent enserrer un disque en métal. Les freins à patins sont des patins qui viennent enserrer un disque en métal. Euh, les lois de la physique nous disent que plus ton diamètre de, de disque euh, est grand, plus ton freinage est idéal. C'est pour ça qu'on parle de disques de 140, de disques de 160, de disques de 180. Dans les vélos de descente, maintenant, on a des, des disques, des freins à disques de 200, 220 mm. Mais moi, mon disque, il ne peut pas être plus gros, parce que c'est la circonférence de la jante. Donc techniquement, des freins à patins aussi, sont aussi des freins à disque. Voilà. Euh, cela dit, en passant, euh, un système v comme j'ai sur mon vélo, qui est bien réglé, ça freine excessivement bien, et je ne vois pas pourquoi je montrais un truc plus compliqué, plus lourd, moins réparable, euh, voilà. Oui, c'est un FUJI, le gravel d'Etyliste. Tu voulais pas me croire, mais, je, mais tu sais que je te crois depuis des années, Ambroise. Alors. La selle à hauteur de guidon, mon dos rodé au BMX enfant, supporte pas. Alors, Bria, euh, ma selle est euh, 2,5 cm au-dessus de, du guidon. On est, pas, on, est encore, on est un peu en dessous, en fait. Le guidon est un peu en dessous de la selle. J'ai la selle à la hauteur de guidon sur mon vélo de ville et j'ai 3 cm et demi de plus sur ma selle que sur le guidon sur mon vélo de route. Et encore le guidon haut, c'est aussi une position basse sur le guidon de route et là on est franchement 10 cm en dessous. Euh, c'est une question d'habitude euh, de, de, de confort de position aussi. Euh, je peux plus euh, faire du vélo comme ça comme sur un vélo hollandais, je, je me sens complètement con et accessoirement c'est quand même beaucoup plus simple. Euh, quand on est euh, plié vers l'avant, puisqu'on a moins de résistance au vent. Et je vous rappelle que la résistance au vent, c'est 30% de votre effort à bicyclette euh, au-dessus de 20 km euh, Donc, se baisser, euh, on peut gagner 10% d'efficacité juste en se baissant, sans ajouter d'effort ou quoi que ce soit. Eh oui Ah, ça fait réfléchir C'est un chum-gum plutôt le migou. Ah oui, fraise-banane Triste monde où on ne fait plus confiance. Quoi De quoi tu parles, Ambroise Alors, Paco me dit, Denis, je crois que tu fais n'importe quoi avec ta trace. Effectivement, je j'avais fait un brain fart. J'avais cru que la route en face de nous, elle était à 80 degrés au lieu de 45 degrés. Bonjour Chittypix, comment vas-tu Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, dis donc. Denis elle voilà. Voilà. Je me, je me, je me, je me, mou, me mouchote. J'ai du 180 sur mon cross country, ça sert à rien, mais je les ai mis pour faire joli, ce dibria. Ouais. 180 sur un cross country, effectivement, ça fait beaucoup. Euh, sur mon vélo de ville, j'ai des 160. Et j'avais du, euh, du 200 sur euh, mon vélo de... C'était un vélo d'enduro, en fait. Donc un vélo... Euh, un VTT tout suspendu, un peu engagé. Pas complètement vélo de descente. Mais on va dire euh, entre les deux. Euh, un peu plus léger. Il devait faire 14 kg, je crois. Euh, avec... Euh... Ah bah voilà. Ah bah on s'est encore trompé. Ah bah faut faire demi-tour. Voilà. Hop. Demi-tour, demi-tour, demi-tour. C'est y part. Qu'est-ce que je disais euh, Ouais, sur, mon, sur ce vélo, j'avais des freins en 200 mm, ce qui était complètement overkill. Mais là, cet été, avec Paco, quand on a été, rappelez-vous, à Megève, on avait pris des, des lapières carbone enduro. Absolument magnifiques. Et il y avait des freins de 220. Bon, alors là. C'était des six pistons, des trucs anglais. Je crois que c'était de la marque Hope. Alors là, c'était... Je crois qu'on a arrêté une voiture en fait avec les freins de ces vélos. Crazy Barton, il nous dit, bon, une pizza, une réunion où je n'écoute rien et Denis qui parle de vélo, on n'est pas loin du bonheur. Ah bah écoute. C'est une pizza quoi Est-ce que c'est une pizza 4 Est-ce que c'est une pizza 4 baskets J'ai comme peur de passer en avant, mais j'essaierai. Merci pour tes conseils. Comment ça euh, tu veux dire au freinage Bon après il suffit de doser, hein, ça va, on n'est pas, pas des bêtes. À Toulouse, c'est 800% de l'effort ressenti. Tu parles quoi de toine, de, de, de la résistance à l'air Non, c'est pas par là, fais de demi-tour. Ça y est, on a fait demi-tour. Euh, Frédéric François Fellman, quand vas-tu est-ce que ça a parlé de neige Bah écoute, il y a un peu de neige. Bon là, il y en a plus des masses. Euh, il y a surtout de la, il y a surtout de la de la boue un peu gelée. Alors, j'en profite parce qu'on est dans une ligne droite pour vous dire que aujourd'hui, il y a un lot à gagner. Ah. Alors, l'exercice parce que c'est un lot à gagner. Genre, on va vraiment vous l'envoyer. <laughs> qui fait. Ah. Donc. L'exercice, puisqu'il n'y a pas de... Euh, y a, y a, y a, rien n'a été déposé chez un huissier ou quoi que ce soit. Est, tout est fait à l'arrache, comme d'habitude chez Preston Stop. Donc, les règles sont très simples. Vous me dites le, votre mot référence de Let's Bicyclette. Le mot que vous entendez euh, le plus souvent ou le mot que vous préférez euh, dans les streams Let's Bicyclette. Et celui qui me séduit le plus, il a gagné. Un lot et que je présenterai après parce que je l'ai là avec moi. Alors, ça comment à la ah, 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 euh, pop c'est pas mal. Coucou les petits loulous, ça fait quatre mots. Attention, Frédéric M12, c'est pas mal aussi. Pour ceux qui arrivent, nous sommes dans la forêt de Fontainebleau. Il fait 5 degrés, on se pèle les miches, mais on est content. On est là entre entre copains. Et on roule dans la boue, voilà. Et les gens me disent, mais vous êtes complètement déb. Hein. Ornithorynque. Mais non, mais fougnon, il faut sortir un mot qui existe dans ce stream. Pas n'importe quoi. Jardinage, c'est pas mal. Euh, parce que c'est vrai que je l'utilise beaucoup. On jardine, on jardine. Titane, Shangren. Là, on est euh, on est dans mon top 3. Copeng. Uh, Owen, en fait, lui, il sait que euh, il, déjà, il a 10 points de, il a, il a 10 points de bonus. Parce que vous, vous ne le savez pas, mais Owen, il nous a envoyé 6 kilos de biscuits maison qu'il a fait. Et là, vous savez, genre, les, euh, les assortiments. Généralement, c'est des les assortiments de biscuits comme ça, c'est euh, 50 shades of biscuits, quoi. En fait, c'est à peu près les mêmes. Mais lui, je ne sais pas comment il fait. Il arrive à faire des biscuits avec des goûts qui sont complètement dingos, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Savoyard, euh, non, des euh, désolé. Daron, ouais, pas mal. Le rouge en un seul mot. <laughs> Pourquoi tu boudes, y avait-il Moi, je dis Cohen, il a gagné du coup, tu <laughs> euh, Qu'est-ce que j'ai euh, Dans mon top 3, j'ai Shitty Pix avec Popiette. C'était toi qui as dit Popiette en proms, ça. Hein. En plus, popiette, euh, je suis typique s'il est avec M12 et Popiette. Ouh là, là, on va vite, dites donc. Ça, ça devait être un faux plat descendant. C'est pas en accéléré. Hein. Là, on est à 30 km/h dans la forêt. Euh. Bah, bah oui. Non, évidemment, ça c'est. Euh... Toto Radio, merci pour ton pour ton euh, 32e mois d'abonnement. Oh là là, 32. Ça fait quelques années déjà ça. ShittiPix laisse sa place parce qu'il a déjà eu un mug dédi dédicacé. Euh... Qui c'est qui est dit Titan en premier C'est Sangrine. <laughs> Sandrine Rousseau. <rire> Diffratus. <rire> C'est vrai qu'Ambroise, c'est un de nos mots préférés ici. Ambroise et Monsieur Chat aussi. Oh. Oui, je dis ça parce que tu es là, Monsieur Chat. Euh, bien. Est-ce qu'on peut s'accorder euh, pour un gagnant scornieux, je vois bien la flagornerie hein, de Tu parles à ma fibre de Savoyard. Ça ne marche pas avec moi. Euh... Moi, j'aime bien le titane de sangraine. Et euh, j'aime bien les coupings de Owen. Sangraine, je, je. Alors, on va faire un truc. J'étais pas censé le faire. Sangraine, tes premiers Execo, mais t'es un cran en dessous de Owen. Donc, ce que je vais te proposer, c'est que Sangraine, tu m'envoies quand même un petit euh, message privé. C'est facile, hein, un message privé, c'est denis.com. Euh, complètement privé. Euh, tu m'envoies un petit message. Voilà. Et tu auras un lot de consolation. Et Owen, euh, envoie-moi aussi un petit message. Et tu as gagné cette magnifique casquette Cinelli. Alors attention, c'est illimité, euh, fait par des artistes italiens. Donc elle est verte d'un côté et puis euh, elle est bleue au-dessus. Hop. Avec le petit euh, sticker euh, de qualité dessus. Et quand vous la mettez comme ça, hop, regardez, il y a un petit visage et y a une petite, une petite bouche. Et hop. Voilà. Owen, on attend les photos à la Redac. Hein, les met pas sur Internet. Hein. On attend les photos à la Redac avec toi et la gapette euh, Cinelli sur la tête. Voilà. C'était euh, le petit concours de la 50e, le, du 50e épisode de Let's Bicyclette. Personne n'a dit Montargis, Fratus Parce que moi, Montargis, c'était dans mon top 3. Je me dis, c'est bizarre. Personne n'a dit euh... Soquette légère, Frédéric François, c'était bien, mais c'était deux mots. Raph Astronaut avait dit Soquette, effectivement. Euh... <laughs> Et Toine disait, oh, 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 attendez, on ne connaît pas le lot encore. Ça se trouve, c'était un truc horrible. Notez que la casquette de vélo, c'est pas vraiment le truc le plus saillant. Hein. Vraiment... Euh, donc, Owen, félicitations. Dommage, c'était pile mon tour de taille, dit Frédéric-François Fellman Venise du Gâtinais, ça rentrait pas en un mot, dit Owen. Euh, donc là, euh, Etiliste, qui, euh, qui est à ma gauche, euh, avec son fier euh, Fuji. Il y a quelques centaines de kilomètres. Hein. Il vient de s'y mettre, et vous voyez, il s'y met plutôt sérieusement. Euh, il débute en tout et un. Et il met beaucoup d'enthousiasme. De, et c'est vraiment très sympa à voir. Ce que vous allez voir, là, pour l'instant, on est un peu dans la pampa, euh, sur des chemins qui sont à peu près roulants. Même si tout à l'heure, vous allez voir, on a l'impression que c'est une ligne droite dans les bois. Et en fait, c'est une allée équestre. Et en fait, c'est un terrain qui est un peu plus sablonneux, un peu comme dans toute la forêt de Fontainebleau. Mais en plus de ça, on a les, on a les empreintes des sabots dans du sable très froid. Donc en fait, ça fait un truc ultra tape et c'est assez désagréable. C'est très physique, en fait, quand ça bouge comme ça. Parce que c'est désagréable et ça, ça heurte un peu le mouvement. Est-ce que Soupape-François est toujours là <laughs> Etilis qui dit de l'enthousiasme, mais j'ai failli mourir. Euh, de toute façon, on va tous mourir, Etilis oh. Donc c'est pas grave. Il s'y met l'hiver dans la boue, Crazy Warthog. » Exactement. Moi, j'appelle ça un vrai. Tu sais, enfin, c'est un, un vrai gars. Le mec qui dit je vais me mettre au vélo en janvier et il part rouler dans la boue à Fontainebleau avec moi, je me dis qu'il a bon, il, il, il démarre bien. Hop, la petite montée, attention. Ça bouge un peu. Puis avec des pneus de 38 mm en plus, et surtout qu'il avait, il avait gonflé un pour, euh, plus pour la route que pour le tout-terrain, ça devait lui secouer le panier à crottes. Bria, je suis d'accord avec toi, les casquettes de vélo, ça passe aussi dans les free parties. On reviendra à Fontainebleau au printemps parce qu'alors là, au printemps, on commence à voir des rochers, vous voyez à droite à gauche là. Les rochers c'est tout ce qui est sous la mousse, vous voyez. On commence à voir des rochers, on va en voir de plus en plus. C'est très particulier la forêt de Fontainebleau parce que comme je vous ai dit, c'est très sablonneux, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de rochers, il y a beaucoup de pins, il y a beaucoup de fougères. Ça change énormément, par exemple, je sais pas moi, de la forêt de Versailles ou où ou euh, même, même plus au sud, quand on, on suit le, le loin euh, pour aller à Montargis, euh, c'est des forêts qui sont beaucoup plus euh, platanes, bouleaux, châtaigniers, chênes. Et là, on est sur l'allée euh, équestre dont je vous parlais, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. <laughs> Toine, voilà, elle est pour toi, celle-là. Chez tipix j'ai fait les 25 boss euh, en rando. Chez euh, fait référence à une balade, euh, je crois que c'est sur le, un, le GR2, c'est ça, un, un chemin de grande randonnée. Euh, et en fait, il y a un moment, il y a un plissement, euh, je crois que c'est au sud de la forêt de Fontainebleau, euh, où il y a des montées, des descentes. C'est pas une grosse déclivité, mais c'est que des chemins en, en sable et euh, c'est assez physique. Et, et euh, les 25 bosses c'est à faire, hein. c'est très très joli, puis alors là, euh, c'est vraiment un lieu à pique-nique. Quand on part, rappelez-vous le pique-nique, on laisse rien dans la nature, on repart avec tout ce qu'on a amené. Hop. Je veux pas. Une... Même si c'est des cuillères en bois ou des pailles en bambou, là, vous la reprenez avec vous. Euh, donc là, je fais un petit regroupement. Parce que je me suis retourné et j'ai vu que euh, j'avais pris un peu d'avance. Est ce que certains d'entre vous ont été roulés dimanche. Je vais, vous en, je vais vous mettre en mute deux secondes pour me moucher, vous m'en voulez pas? Chat m'a dit j'ai tout entendu. Regardez comme il est beau. Alors, il n'a pas la soquette légère encore, est-iliste, mais euh, on va y arriver. Déjà, assez fier de lui parce qu'il s'est mis à la pédale auto euh, tout seul. Euh, donc, il a fait son propre apprentissage. Euh, là, il a quelques kilomètres dans les, dans les pattes et pour l'instant, il n'est pas tombé. Je vous rappelle hein, le principe pédale auto, on tombe deux fois et puis après, on tombe plus. Oui, oui, il y a un peu de grimpettes. Mais alors, ce qui est cool à Fontainebleau, c'est qu'il y a un peu de grimpettes, mais c'est des grimpettes qui sont. Euh... Là, j'avais juste un plan de technique, j'avais mon couvre-chaussure qui était un peu parti. Euh... C'est des montées qui sont quand même relativement courtes. On n'a pas vraiment euh, l'occasion de se, se plier en deux euh, dans les montées. Quand on n'en peut plus, en fait, généralement, c'est là que la montée est terminée. Plus tard, il y a des tri ouvrez bien l'œil. Alors moi, je les, tu m'as dit euh, et Etilis, mais je les ai pas vus. Ping moi quand tu les vois. Euh, et moi, je regarde pas la vidéo. J'étais là. N'abandonnez hein. pas le hackbook que vous avez pris pour pique-niquer. Euh, Frédéric François, on a pris le train en fait à gare de Lyon. C'est, euh, je te dis, c'est 25 minutes pour aller à Melun. En plus de ça, euh, le dimanche, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde dans le train. Donc, euh, vous pouvez monter dans n'importe quel wagon avec les vélos. On n'a pas été emmerdés, vraiment. Euh. Owen a fait de la rando dimanche. Il n'a pas roulé. Il n'a pas roulé, Owen. Je vous rappelle qu'Owen a gagné le grand concours du jour, le concours du 50e épisode. Bravo à Owen. Corne nu, rouler sous la table, ça compte pas, non. Surtout que c'est Drahunari, je vous le rappelle. Hein. Pas de vélo dimanche, mais une sortie de course de 21 km. Ça commence à être sérieux, 21 km en course à pied. Dis donc. Tu, euh, tu pratiques les, les semi-marathons et tout le tout-team. Ouais, Crazy Warthog, c'est une. C'était une. C'était la fourche qui arrivait avec les vélos de compète de la pierre à l'époque. Euh, fun fact, elle n'est pas en titane. La fourche, elle est en acier et elle est vernie. Mais elle est pas... Il n'y a pas d'autre traitement. Dans la forêt... CheatyPix nous dit, c'est la forêt de Fontainebleau, il y a forcément des gens qui font de l'escalade, torse nu sur les rochers, et des gens qui font de la slackline. Alors, on reviendra au mois de mai-juin hein, pour la slackline et, euh, et les et les gens torse-poil qui, qui font du bloc. Euh, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui font de la grimpette, il y a des coins entiers euh, de la forêt de Fontainebleau, il n'y a que ça. Euh, Moi-même, quand j'étais petit, j'allais euh, faire de la grimpette avec mon père euh, quand euh, j'étais membre du CAF, le Club Alpin Français. Euh, et on allait à Fontainebleau ouais, pour faire de la, la grimpette avec des poches à magnésie et des chaussures à varap. Là, on était chic et puis c'était genre euh, le bandana, les cheveux longs. On était. Euh, voilà. C'était fin des années 70. Merci Sabah pour ton 54e mois d'abonnement. Attends, ça fait quoi 12, 24, 36, 40 Mais attends, ça fait, ça fait plus de 4 ans que t'es abonné Ça fait 4 ans qu'on existe Ça fait 4 ans qu'on existe, me dit Monsieur Chat. Parfait. 54e mois d'abonnement. Cœur sur toi et tous les gens qui t'entourent. Voilà, hop, je peux pas faire mieux. Ah oui, chez typique le cul du chien. C'est une sortie, est une sortie qui, est, qui est adorée par les, par les écoles primaires, cul du chien. Parce que ça ferait rire les enfants, ils veulent absolument voir le cul du chien. Euh, et et c'est sympa. Il y a aussi le, la mer de sable. Euh, non, il y a plein de trucs. Puis je vous dis, c'est immense la forêt de Fontainebleau. Donc il y a. Vous voyez là on est vraiment dans du sous-bois classique euh, on ne peut plus classique. Avec des vététistes là qui... Euh, qui sont en goguette. Alors c'est des, des vrais vététistes. Hein, ils ont de la suspension, des gros pneus. Faudrait se faire une grande sortie CPC en forêt de Fontainebleau, Super Spot. Bah ouais, Frédéric François, moi je suis, moi, je suis toujours open. Hein. Il y a... Il y a un petit canal euh, dans, dans notre Discord, euh, si vous voulez. Si vous voulez parler vélo. Donc là, on n'est pas, pas perdu. Hein. On suit le GPS. Parce qu'on a l'impression un peu des fois qu'on dit Mais vous roulez où là Mais c'est les feuilles qui cachent le chemin. Ça réchauffe, noter, parce que. Quand on roule en vélo de route euh, à 5 degrés, ça fait un peu chmout. Hein. Il fait froid aux pieds, il fait froid aux mains, il fait froid au nez. Mais là, vu les moyennes, on a, on a quand même terminé la journée à 19 km heure de moyenne, je crois, ce qui est tout à fait respectable. Mais là, on ne dépasse pas les 15. Vous voyez, on est à, on est à 13, 15, 17. Euh, et puis il y a toujours un truc à faire euh, dans la forêt, éviter une racine. Euh, éviter une branche, éviter un rocher, euh, donc on se refroidit vachement moins. La mer des sables, attention à comment tu parles de ma mère. Ah bah bravo les gars. Là quand on a besoin de rien, on peut compter sur vous. Et hein. il est ce qui dit ah faut éviter les racines et les branches. Je le note. Et alors on ne sait pas pourquoi, de temps en temps. Hop, il y a un petit bout d'asphalte en plein milieu de la forêt. Ça repose, hein, notez. Parce que nous, on n'est pas parti, euh, on VTT. été... On a tous les trois, on a plutôt des vélos de voyage. Euh, C'est vrai que si on avait des pneus de 2,5 pouces et, et 10 cm de suspension avant-arrière, l'asphalte, on s'en fout. Hein. Alors ça aussi, Thylis, ça serait un truc à essayer parce que c'est vrai que le vélo tout suspendu, c'est un... Il y a un côté magique. Ça gomme complètement... Euh, le rendement est, est bien meilleur, malgré le poids supplémentaire. Euh, et et c'est une autre expérience. vraiment. Euh. Par exemple, là où tu. Là où tu te plaignais parce que tu avais des problèmes de, tra de, de, de traction, euh, notamment sur les... Euh, bah les, les, petites, les petites montées avec des cailloux, des machins ou' c'est vrai que si on fait pas attention à bien faire des ronds avec ses, avec ses pieds euh, la roue elle peut déraper euh, tu rajoutes une suspension arrière il n'y a plus de problème de traction Alors vraiment c'est le jour et la nuit c'est étonnant <laughs> Unjiko qui nous dit salut, pourquoi avoir changé la roue avant de 21 pour une 19 pouces sur l'Africa Twin je pense que as, tu t'es trompé de chaîne Twitch en fait. Accessoirement, sur ma moto, j'ai une route 21 à l'avant. Ah ouais. Les gens vont se dire, mais vous parlez de quoi là Là, on rentre un peu plus au sud de... Là, on est au, au nord de Fontainebleau. On a vraiment, on a, en fait, on a vraiment fait demi-tour euh, juste avant d'arriver à Fontainebleau. On avait eu une expérience plutôt pas cool euh, avec Ambroise et Paco quand on était rentré de Montargis. Parce que euh, notre ami à tous, euh, Mitiria nous avait fait la trace aller-retour. Et moi j'avais pris comme ça pour argent comptant. Je n'avais pas vraiment regardé. Et le retour, on, on s'était tapé une bonne dizaine de kilomètres, voire plus, je ne m'en rappelle plus de départemental au milieu de la forêt, c'est des lignes droites qui sont déprimantes de droititude avec des voitures qui roulent à 100 km/h et qui vous frôlent les moustaches. Et était, on n'était vraiment pas serein du tout. Quoi. Donc la prochaine fois, euh, on fera attention de bien passer par la forêt. C'est quoi ma moto C'est quoi l'utilité d'une si grande roue bah tu sais que plus tu augmentes la, le diamètre d'une roue, euh, plus tu gagnes en franchissement. Par exemple, avec une roue de 17 pouces et une roue de 21 pouces, tu. Ton obstacle de 10 cm de haut, tu ne l'apprends pas de la même façon. Et donc c'est une moto qui est. une moto de voyage qui est typée tout et un, qui est une Ténéré 700. Et là, il y a Monsieur Chat qui fait plein de bruit. Mais c'est pour se venger certainement. Il y a un truc. Euh, Peut-être je ne lui ai pas répondu à un mail. ou... Bon, je sais pas. Non, c'est moi qui réponds pas au mail. Ah, il me dit c'est moi qui réponds pas au mail. Euh, donc là, on va rentrer dans une partie un peu plus rigolote. Euh, alors je, reste, je passe devant. Parce que c'est plus rigolo pour moi. Parce que j'ai un peu de technique. Euh, je les entendais couiner derrière euh, euh, comme des comme des collégiens de Douarnenez. Ils disaient Ni, ⁇ ça monte, il y a du sable ⁇ Un peu comme il dit à euh, Et puis surtout, euh, moi j'ai de la transmission de pouvoir, hein, c'est-à-dire que je peux vraiment descendre très bas en transmission. Et il y a du rocher. Voilà, ⁇ hein. À croire qu'à Fontainebleau, les rochers, ils les payent pas. Hein. Ils en mettent partout. On roule dessus, on passe à droite, on passe à gauche. Alors, Paco, avec ses, avec ses nouveaux pneus, il est comme un, il est comme un enfant. Il s'ébroue, regardez. Il est content. Il dit bah, C'est pour ça qu'on met des gros pneus. Je dis Bah ouais. Merci. Sorry pour leur sujet, je ne m'attendais pas à voir du VTT ici. Alors, euh, en revanche, euh, en vélo, je suis en roue de 26 pouces et devant, Paco est en roue de 27,5. Voilà. J'aime bien parler en, en, en système impérial parce qu'en parce qu en fait, on ne comprend rien de ce qu'on dit. J'avais euh, une amoureuse, par exemple, qui, a, qui habitait à Liverpool et elle, elle pesait les choses en, en pierre. <laughs> Genre, elle me dit Ouais, non, mais toi, euh, tu pèses 7 pierres. Et comment ça, je pèse 7 pierres même pas foutu de s'acheter des roues complètes. De quoi tu parles, Crazy Warthog Alors, effectivement, l'hiver, les fougères, c'est quand même moins sexy. <laughs> Elles sont toutes cramées. Euh... Mais bon, alors là, il y a un truc particulier, que je suis désolé, je vais vous le décrire parce que vous ne pouvez, le... pouvez pas en faire l'expérience, c'est l'odeur. Parce qu'en fait, euh... c'est un environnement extrêmement sablonneux avec des fougères, euh, avec des pins. Euh, on a vraiment une expérience là euh, multisensorielle. Euh, C'est pas que très sympa parce qu'on roule en vélo euh, dans un sentier. C'est aussi très sympa parce que euh, on a cette odeur euh, qui est vraiment impressionnante. Voilà. Bah, ça change du 11e arrondissement. Hein. Liverpool. Mais Crazy Warthog, attention, parce que tu sais, ton. Même si toi, tu as eu une recharge gratuite, euh, ton, ton quota de blagues de daron, il n'est pas infini. Hein. Regardez-moi ça comme c'est chouette. Alors, pour faire de la randonnée, par exemple, si vous ne faites pas de vélo, bon, euh, je vous pardonne, vous ne faites pas de vélo, mais allez à Fontainebleau pour faire de la balade à pied. Enfin, si c'est à proximité de chez vous, allez-y, c'est génial! Et en plus, vu que c'est gigantesque, en fait, on croise assez peu de gens. Ouais, c'est un peu grimpette ici, Crazy warto Et puis surtout, c'est de la grimpette avec des, des petites racines, des petites pierres. Donc, c'est assez technique. C'est pas très difficile, mais euh, c'est technique. D'ailleurs, c'est là qu'on a perdu euh, Ethyliste, <laughs> qui n'arrêtait euh, pas de déchausser euh, ses pédales. Et, euh, <laughs> et il avait des problèmes de traction, évidemment parce qu'il n'a pas encore trop trop de technique. Bah là on est en jambes longues euh, chez Tipex, donc en fait euh, tu sens pas trop euh, la, 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 la flore. Salut elle rigolo. Alors attention, toutes les blagues sur euh, c'est pas mal, est-ce que c'est de l'unreal 5 et tout ça ont déjà été faites. 10 heures de route, ça va faire loin pour la balade dominicale à Fontainebleau, y avait il Je suis d'accord avec toi. Mais disons, 10 heures de route de Fontainebleau, ça veut dire que tu es dans un joli coin de la France. Et j'imagine qu'il y a des balades euh, euh, pédestres et, et des balades vélo sympas à faire autour de chez toi. C'est beau, on dirait une forêt Starfield. Bah, moi, c'est tout ce que j'aime en fait dans la nature, c'est le côté 3D, quoi. Et moi, vous me mettez en boss, euh, je me roule en boule et je pleure. Hein. Mais là, voilà, il y, y a du relief, il euh, y, y a du challenge. Oh, J'adore ça. Bon, évidemment, l'Auvergne, c'est beau, oui, évidemment. Après, je peux pas dire que c'est la plus belle région de France, mais c'est beau. Euh... Et puis, j'aime bien manger en Auvergne. Ça tombe bien. Moi aussi, j'aime bien manger. La dernière fois que j'étais en Auvergne, c'était pour, un, pour une grande balade à moto, à motocyclette. <laughs> Et Éthyliste. Et qui me... qui sort mes propos de leur contexte. C'est moche. Oh, Regardez-moi ce petit rédillard là. C'est parfait ça. Tout ça sans suspension. La suspension, c'est tricher. Là, vous y voyez direct, là. Là, vous me suivez dans un, dans un chemin comme ça, là. Vous me suivez tous. Bon, il y a un moment, où je vais être pied à terre parce que ça ne monte plus. <laughs> Mais jusque-là, ça passe. Allez, hop. On va, en plus, on va retrouver une petite route. Donc, on n'a pas filmé toute la balade. Parce que je regarde l'heure, il est 15h06. On n'a pas filmé toute la balade. Donc, il y a un moment, ça va s'arrêter euh, de façon assez abrupte pour retourner dans Paris. Parce que du coup, je me suis dit, je vais leur faire un petit, euh, un petit euh, raccord maquillage. Alors en fait, c'est simple. Je n'ai pas pu filmer toute la balade parce que euh, la batterie de la caméra était vide. Et il faisait assez froid pour que la batterie supplémentaire ne charge pas la batterie euh, assez vite pour filmer. Euh, je me suis aperçu après que ma batterie de, de secours était en on passe d'être en caraf. Et je l'ai changé. Donc la prochaine fois, on aura une batterie qui donne des watts. Et on va pouvoir euh, alimenter le, la caméra jusqu'à plus soif. Euh, comme il dit fr soupape François. Alors, euh, Morina théo tu dis sans problème, pourquoi Pour la montée Et Corelli-San, tu dis ben je sais pas, c'est pourquoi Oui, il a un joli marin euh, rigide en ALU avec une fourche carbone. C'est un très bon compromis en fait euh, pour faire un, un vélo euh, qui fait tout. Parce que euh, Paco, il a plutôt décidé de partir sur un vélo euh, qui était très polyvalent pour n'avoir qu'un seul vélo. Euh, là on attend étiliste euh, qui a un peu jardiné dans la montée je crois qu'il a terminé à pied euh... Morinatéo je ne sais toujours pas de quoi tu parles donc comme je vous l'annonçais on va ça va couper brutalement brutalement et on va se retrouver dans un petit raccord maquillage de bicyclette qu'on a filmé hier. Donc, ça change d'ambiance hein, parce que là, on est avec un vélo de voyage en titane et ça va changer pour un vélo de ville en alu. Tony Concrète nous dit j'ai trois vélos, donc le cahier des charges est un seul vélo. Mais c'est Ambroise, je crois, qui, nous, qui mettait définitivement le, le, le propos euh, euh, sur la table en disant le bon nombre de vélos à avoir, c'est le nombre que vous avez actuellement, plus un. Voilà. J'ai appris deux trucs dans cette sortie. Un, qu'il faut que je serre plus mes cales. Donc là, il parle des pédales. Euh, deux, qu'il faut que je dégonfle mes pneus en forêt. Oui, effectivement, euh, des pneus trop durs, on a, y a, ça passe plus, comme on dit. Poursuivre, j'ai un vélo à roulette et c'est maman qui me pousse. Cheatypix, rouler avec Denis-Denis, vous finirez humilié en stream. Mais non, mais j'ai humilié personne. Si j'avais quelqu'un humilié, c'est ce mec qui passe dans la forêt de Fontainebleau avec sa voiture de sport. Il est complètement anachronique et complètement hors, euh, hors, hors propos. Donc je crois que c'est là que ça va couper à peu près. Je vous préviens parce que le chou et froid risque d'être assez. Euh... Mais j'ai chez mes personnes. Pourquoi tu dis ça chez Tipex C'est sa première sortie en VTT, évidemment, que le mec, enfin en VTT, en tout terrain, évidemment, qui va pas. Puis surtout que là, on a, on n'avait pas fini le, le côté euh, tout terrain, parce que euh, pas filmé. Il y a une belle descente euh, dans les rochers. Je vous le dis, hein, je vous dis ce que vous allez louper. Euh, une belle descente dans les rochers qui était assez rapide sur un chemin monotrace, qu'on appelle en anglais single track, et. Euh, bah ouais, là il faut un peu de technique parce qu'il y a des rochers, etc. Euh, et, euh, et donc là ça va changer, on va, on va partir sur une petite balade en ville. Combien de kilomètres euh, la sortie, Morinette on a fait, je crois que c'était 30, 30, 33 ou 35 Un truc comme ça. Mais voilà, là la technique a décidé autrement. Euh, donc on dit au revoir à la forêt de Fontainebleau. Au revoir à la forêt de Fontainebleau. Et on va partir dans l'enfer, euh, dans la jungle de la, de la ville. Même si là on a failli se faire écharper par une voiture. La jungle de la ville, en l'occurrence euh, le 11e arrondissement. On n'aura pas les triogers. Ah non, est-iliste Ok, d'accord. Oui, effectivement, on a vu les triogers, mais c'était après. On n'a pas de trioguère, mais regarde, on a les taxis parisiens là. Un taxi-van, un taxi électrique. Un taxi qui nous coupe la route. Regardez-moi ce ciel. Moi, Paris, j'adore. Là, il fait à moitié beau. Pour moi, ce qui est vraiment le, la ville où il fait beau. Ouais, alors à savoir, euh, Morinette en fait, quand on fait du tout terrain, on ne calcule pas vraiment la balade en, en kilomètres, mais plutôt en temps. Parce qu'il y a des moments où on va rouler vraiment pas très vite alors qu'on est à fond. Euh, donc en fait, euh, c'est vrai qu'une sortie route, c'est pratique à, à définir en kilomètres. Une sortie à VTT, c'est plutôt est-ce qu'on va passer deux heures, est-ce qu'on va passer trois heures Voilà, c'est ça. Là, en l'occurrence, c'était une sortie de deux heures. Euh, programmé pour une sortie de deux heures non c'est plus Melun, euh, crazy Warthog. Euh, là ça doit être la rue de saintonge la rue de saint dans le troisième arrondissement nous sommes dans le marais figurez-vous c'est comme on par exemple la, la, la différence de consommation de carburant en voiture et en avion euh, en voiture, enfin en véhicule terrestre, on va calculer sa, sa consommation de carburant en kilomètres. Euh, alors que la consommation de carburant en avion, on va la, on va la compter en temps. Donc là, c'est un camion, vous voyez, un camion qui est posé euh, sur la voie euh, inverse. Et le mec se dit je suis pas assez dangereux, je vais peut-être lui en mettre une couche, donc il ouvre sa porte. Voilà, ben, Je crois qu'il m'a vu quand même. Corélissane, au oh, saint je c'est par chez moi. Mais dis-donc, Corélissane, tu ne m'as pas dit... Euh, vous, vous roulez à côté de chez moi tout à l'heure Oui, donc, voilà, vous le savez, parce que vous regardez euh, Agbou et Ambroise sur le, leur jeu de simulation aérienne. Mais effectivement, en avion, on calcule la consommation en temps. Euh, ce qui vaudrait d'ailleurs... Euh, par exemple, vous prenez les, les consommations en ville. Ça n'a aucun, aucune importance de calculer la consommation au kilomètre en ville. Parce qu'en fait, si vous êtes une voiture personnelle, vous allez rouler à 13 km/h en moyenne en grande agglomération. Vous, a, vous allez rouler à 18 km/h si vous êtes un bus. Vous allez rouler à, limite à 20 km/h si vous êtes un deux roues motorisé, et au bout du bout pour faire le même trajet, bah vous allez passer moins de temps sur la chaussée donc vous allez consommer moins d'essence. Donc le calculer la consommation au kilomètre n'a en fait a très peu d'intérêt dans certains cas de véhicules terrestres. Alors que la, la consommation en temps, là, euh, elle est c'est la même pour tout le monde puisque c'est le même temps. Vous voyez alors que c'est pas les mêmes kilomètres il <laughs> y a quelqu'un qui a compris mon propos, vous m'écrivez euh, poste restante, euh, Arcueil Frédéric François -Fellman nous dit, ce matin sur mon trajet vélo taf, Paris 20, Paris 13 j'ai fait un décompte 50 voitures individuelles versus 40 véhicules pro, 50% de Paris et proche banlieue pour les voitures perso Toujours édifiant. Bah écoute, moi ce que, ce que je trouve édifiant, c'est les gens qui roulent avec des voitures immatriculées à Paris et qui sont tout seuls dans leur voiture. C'est quoi ton propos qu Qu'est-ce qu que tu t'envoies comme message C'est je vous chie tous dans la bouche et je vous le montre. En plus. Je fais même pas ça discrètement. Euh, nous rentrons. Euh, là, on est rue de... Rue vieille du Rue Vieille du Temple, la bien nommée. Ah oui, alors aujourd'hui, on a changé un petit peu de. de... Parce que là, évidemment, c'est mon trajet de vélo taf. J'ai fait un petit peu de zigzag. On va passer par la rue des Rosiers. Lille Pile, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes rue Vieille du Temple. Donc là, ouais, on, est, on est vraiment dans du Paris typique. Hein, euh... C'est le, le marais, en gros. Le marais s'appelle comme ça parce que c'était vraiment un marais avant. Il hein. faut savoir que la ville euh, est, 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 est née sur les îles, puis a commencé à s'étendre rive gauche, ce qui est aujourd'hui euh, le 5e arrondissement. Euh, C'est là où aussi on trouve les, arè les arènes de Lutèce, on va passer à proximité tout à l'heure. Euh, donc là, il y a pas mal de vestiges romains, euh, notamment. Si vous avez l'occasion euh, de visiter Paris, ou si vous habitez à Paris et que vous ne connaissez pas, euh, allez visiter la crypte qui est sous le parvis de Notre-Dame. C'est tout à fait édifiant parce que là, on a mis à jour à l'époque où on a donné un coup de pioche pour faire un parking souterrain. Euh, comme quoi, il y avait euh, euh, l'air le, le, de la voiture euh, et, et, et là depuis un moment quand même. Euh, donc on a donné un coup de pioche pour faire un parking souterrain. Parce que je vous rappelle que le, par le parvis de Notre-Dame, dans les années 60, était un parking voiture. Hein bah, déjà. Donc on ne voulait plus de parking en surface. On donne un coup de pioche pour faire un parking souterrain. Oh mais dis donc, euh, Jean-Jean, c'est marrant, il euh, y, y a plein de trucs romains. Bah ouais, évidemment, t'es à Paris. C'est un peu comme, euh, je sais pas moi, si tu creusais, euh, je sais pas, à Lyon ou à, ou à Milan, évidemment tu vas avoir des, des vestiges de, de sociétés euh, enfouies. Donc, ils n'ont pas fait de, évidemment premier coup de pioche, on arrête le chantier, ch hop, fin, du, fin de la récré, et on, et on appelle les archéologues, euh, machin. Il y avait Indiana Jones, tout ça, hop, et ils ont creusé et ils ont mis à jour des, tout un quartier, enfin une partie d'un quartier. Euh, et vous allez apprendre, par exemple, le système de tout à l'égout des Romains, etc. C'est euh, une visite qui est ouverte même pendant la rénovation de Notre-Dame. Allez-y, vous pouvez y aller. C'est devant le parvis. Euh, et bah, c ma foi, c'est assez chouette. Donc là, on quitte la rue des Rosiers. Euh, historiquement, c'était le quartier juif. Euh, c'est plus folklorique qu'autre chose euh, maintenant. C'est un peu comme si comme, euh, aujourd'hui on dit que le marais, c'est le quartier gay. C'est plus vraiment le cas. Euh, et, et on arrive. Euh, donc là, on va passer la rue du Roi de Sicile et on arrive euh, rue de Rivoli. Lyon la semaine dernière, ils ont fait des fouilles parce qu'il y avait des vestiges du Moyen Âge. Et ben, ils ont trouvé des ruines romaines sous les ruines du Moyen Âge. Quoi Les une romaine, c'était au-dessus des ruines du Moyen Âge. En dessous J'ai pas ma timeline. C'est surtout un centre commercial à ciel ouvert, le marais. Bon, je ne suis pas d'accord avec toi, l'île Pile. Enfin, je ne sais pas où est-ce que tu vois euh, là. Où est-ce que tu vois le centre commercial ici euh, Moi, je ne le vois pas. Hein. C'est très résidentiel. Tous les immeubles sont habités par des résidents. Je te trouve un peu sévère pour dire que c'est un, un centre commercial à ciel ouvert. Dis donc, tutut. Tut. Allez hop, rue de Rivoli. Rue de Rivoli, c'est un peu plus. Euh, Tour Saint-Jacques, tout au fond, vous voyez au-dessus du camion là. Le camion d'ailleurs qui est posé comme un cul sur la piste cyclable. Ce qui est drôle, c'est qu'en face, il y, euh, y a une place de livraison. Et ça, euh, autant, euh, je suis pas contre hein, les camions qui se garent euh, n'importe où parce qu'ils doivent livrer leurs truc Mais quand c'est à 10 mètres d'une place de livraison, ça fait un peu chier quand même. Tu dis, eh, sans deck, tu, tu, toi pour ton confort perso, tu te gares 5 mètres plus, loin, plus près de ton magasin et t'emmerdes le monde en fait. Tu dis, bah non, bah, je m'en branle. Donc, moi, je passe tant bien que mal en bravant la mort sur la voie de circulation. Bon, après, on a tous peut-être une idée du centre commercial qui est différent parce que moi, un centre commercial, c'est plutôt une vision de l'enfer, vous hein, voyez Ouais. Non, mais moi, je travaille, monsieur. Ça, combien de fois je l'ai entendu, ça je sais, bah ouais, et moi je suis en congé payé, connard. Ah oh bah regardez, il y en a encore un. Alors, attention, euh, circonstances atténuante lui, il a mis ses warnings. Je vous rappelle qu'en grande agglomération, euh, Lyon, Bordeaux, Marseille, les warnings sont, des, sont, des, sont un indicateur de parking, pas du tout des freins, de, des feux de détresse. Et là, attendez, parce que ah bon, là il y avait une place de livraison qui est un peu machinée. Et là après, c'est une place de vélo, mais il y a une voiture dessus. Bon. Après, j'entends hein, qu'il y a des, il y a quand même une problématique, euh... Asse... enfin il y a une pression assez forte sur les, les places de, de livraison. Parce que bah, les commerces, ils ont besoin de se faire livrer, et les livraisons, elles arrivent en camionnette. Euh, si, si on ne change pas ce système, bah, il faut quand même proposer une alternative pour que les camionnettes, elles se garent. Euh, euh, les cyclistes ne sont pas que complètement débiles. Et, euh, mais de temps en temps, on dit « c'est con » parce que là, il y, y a des trucs spécifiques pour les livreurs. Et le mec, il se gare comme un con à côté, euh, à 5 mètres ou à 10 mètres. Est-ce qu'on peut parler de neige épicyclable parisienne ou euh, non Pourquoi on n'en parle pas C'est parce que c'est tellement un épiphénomène à Paris qu'en fait, on s'en branle, quoi. Il n'y a pas de neige à Paris. À Marseille, les coutumes locales sont très particulières quand même. Ouais, cr euh, Crazy Vortex. Euh... J'ai un ami de Paris -en sel qui m'a envoyé des photos de Milan. Alors là, on est en plein délire. Je veux dire, euh, c'est vrai que de temps en temps, on a le droit de se plaindre au niveau du partage de l'espace à Paris. Mais à Milan, c'est du délire intégral. Car la double file, déjà, elle est systématisée. Donc il euh, y a une file de voitures en stationnement et une deuxième file de voitures qui sont arrêtées. Et les voitures qui font chier, c'est les voitures qui sont en triple stationnement. là tu te dis, mais non, mais arrêtez les gars. Le Pont Saint-Louis. Regardez, on arrive au chevet de la, la Grande Brûlée, Notre-Dame. Ça va de plus en plus vite, hein, leur chantier, là. Alors attention. Hop là. La... J'attire je vous, je, je vous a... votre attention. Euh, ça, c'est la fin de la charpente. C'est l'arrière de l'église. Donc, ils ont terminé la charpente euh, principale et ils ont mis un, un, un petit sapin euh, au-dessus de la charpente pour signifier la fin de, 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 du travail des compagnons qui ont œuvré pour la charpente. Et euh, il y a eu une petite cérémonie, c'était vachement touchant. Je, je suis un petit peu le, le, le chantier de Notre-Dame. C'est euh, absolument passionnant, quoi. Parce qu'ils bah, ont fait venir des des gens qui connaissent les vieux métiers. Euh... Enfin voilà, une... ils ont oublié les guirlandes. Euh... Ouais, laser, ça c'est aussi un, un mes... aussi un de mes arguments, de dire, euh... mais attendez, vous vous arrêtez pour, euh, pour livrer, donc vous avez le choix, vous devez emmerder une catégorie de la population, vous bouchez la piste cyclable. Donc, vous avez pris la décision, sciemment, de ne pas boucher la piste, euh, la, la, la voie où les véhicules motorisés, euh, genre voitures, euh, passent. C'est un choix délibéré que vous avez fait. Voilà. Ils peuvent hein, tirer le frein à main sur la route et, et, et faire chier les voitures qui seront derrière. Non. Ils s'arrêtent sur la piste -cycle. Frédéric François Felman nous dit, je t'ai envoyé quelques photos la semaine dernière sur Discord. C'était des photos de vélo ou des photos de situation de... De, de parking. Alors, tu n'es pas d'accord avec moi quand tu vois le déneigement des voies voitures, tu peux te poser des questions. Ouais, alors on a eu la discussion il euh, y a sur euh, à qui était la responsabilité. Euh, c'est bien établi que les trottoirs c'est les copropriétés et que la route c'était la municipalité il euh, y a quand même un flou artistique sur les pistes cyclables parce que je pense que c'est la municipalité des photos de pralines de Montargis là j'ai mis mon clignot bras pour aller sur la voie de gauche parce que je vais rentrer dans le euh, quartier latin quartier latin pourquoi parce que c'était euh, bon là il y a des travaux refont le gaz je dis bah bientôt va plus falloir refaire le gaz parce qu'il n'y aura plus de gaz on monte sur le trottoir qu'est ce qu'on fait pardon qu'est ce qu'on fait sur le trottoir à bicyclette on fait pas de bicyclette on marche à pied à côté sauf que là il y a un idiot xxl qui lui non seulement est sur le trottoir en scooter mais en plus il est sur son scooter et il roule moi j'ai fait ça. Un peu passif agressif, genre. Joli. Alors, laser nous dit, bah ouais, mais petit à petit, ça va bouger, la balance voiture, cycliste, piéton, ça bouge déjà énormément, euh, laser laser. Surtout mon trajet, hein, ça bouge. Surtout mes trajets, ça va bouger. Euh, notamment euh, là, le. Bah, le dernier tronçon qu'on va voir, qui est en travaux, ils ont retiré une voie de voiture. Euh, donc ça va être une voie à sens unique, je ne sais pas dans quel sens, si c'est nord-sud ou sud-nord. Euh, donc le quartier latin, euh, qui continue là en face, c'est ces petites rues piétonnes, euh, avec des bâtiments du 15e, pas 15e, mais 16e, 16e 17e siècle. C'est très joli Crazy Warthog nous dit « Une piste cyclable, c'est une voie de circulation, c'est de la responsabilité commune pour l'entretien. » À Paris, t'as tout, enfin, comme à Lyon, euh, je, je dévoile pas de secret, euh, Crazy Warthog, mais je, je, je sais que tu es à Lyon. On a des pistes cyclables, on a des bandes cyclables, on a des pistes cyclables sur le trottoir. Euh, si, tu commences à, si tu commences à détailler ça euh, à ce niveau de, de, de granularité... Euh, les gens vont se renvoyer la balle, on dira ⁇ Ah ben non, c'est pas ma responsabilité, parce que moi je fais les trottoirs, euh, je fais pas les pistes cyclables, ou les bandes cyclables, c'est pas des pistes cyclables. ⁇ Parce que les bandes cyclables, elles sont nettoyées. Hein. C'est considéré comme de la route. Ah euh. bah pas toutes les pistes cyclables, parce que tu as des pistes cyclables qui sont bien éloignées de la, de la circulation. Euh, notamment quand tu as des terres pleins entre la piste cyclable et la, et la route, euh, par exemple, comme euh, cours de Vincennes, quand tu vas vers l'ouest, euh, la piste cyclable elle est bien bien dégagée par rapport à la route. Bref, il y a, y, a y, a, y a beaucoup de possibilités en fait. Mais le début de la, de la discussion c'était euh, ouais, mais il y a de la neige, mais bon, il y a de la neige combien de temps y a de la neige 48 heures. Je ne je, je, je dis pas que ce n'est pas important, mais moi je viens de savoir, et je vous jure, 48 heures de neige, c'est rien. Quoi. Et allez pas habiter à Montréal, hein, où là, vous avez de la neige pendant 4 mois de l'année. 4 mois, c'est long. Allez hop On traverse le boulevard Saint-Michel. Et on laisse passer les piétons. Même ceux qui font la tête. Alors, là, l'idée, c'était de vous montrer euh, la nou le, le nouvel équipement. Alors, pas celui-là, parce qu'on l'a déjà pris ensemble. Ça, c'est l'équipement euh, vélo. Alors, par exemple, là, ça s'est séparé pour la, par rapport à la route. Donc, euh, ça a beau être considéré comme de la route. C'est bien séparé de la route, quand même. Donc, je veux dire, les engins qui Nettoie les voies de circulation automobile, euh, il serait tenté de se dire ah bah Attends, on va pas franchir le terre-plein pour aller nettoyer la piste cyclable. Donc, ce tronçon, vous le connaissez, il va de l'île de la Cité, il va même de Châtelet, on va dire, euh, qui est rive gauche, qui est rive droite, pardon. Il va de Châtelet jusqu'à, on va monter là, jusqu'au jusqu jardin du Luxembourg. Et à partir du jardin du Luxembourg, c'est là où euh, ils ont commencé à mettre euh, en service la, la piste cyclable bidirectionnelle, qui est très chic. Donc, ça, c'est vraiment un nouvel équipement. Ce qu'on va prendre, euh, on l'avait testé une fois ou deux avec Ambroise, en se disant, quand ça va être fini, ça va être chic. Et effectivement, quand ça va être fini, ça va être chic. Il y a deux, trois raccords à terminer qui ne sont pas vraiment intuitifs, on va dire. Euh, notamment au passage Île euh, de la Cité, Saint, euh, place Saint-Michel. Il voilà, faut un peu naviguer à vue. Euh, là, vous allez voir aussi le passage euh, au Jardin du Luxembourg. Il faut aussi un petit peu euh, naviguer à vue. Et un troisième passage qui est euh, au pied de, de, de l'observatoire, qui est. Euh, la mémoire euh, m'échappe. Euh, C'est là où il y a le, la closerie des lilas. Bref. Alors. Pour en terminer avec ce sujet sur la neige là, euh, quand l'adhérence la, quand est aussi précaire que ça, ça marche aussi avec le verglas, euh, ne prenez pas votre vélo. Alors, si vous ne si, si savez pas euh, où est-ce que, est que vous en êtes, euh, évitez de prendre votre vélo, parce qu'on a vite fait de se casser un, un truc en, en glissant euh, à bicyclette. Non mais Crazy Warthog, là je t'assure avec les annonces Météo France etc., euh, les jours de neige de la semaine dernière, donc je crois que c'était mercredi, jeudi, il n'y avait personne et même pas de voiture, en fait il n'y avait personne dans la ville. Euh, J'aurais dû filmer en fait pour vous montrer, il n'y avait plus personne. Et accessoirement, euh, il a fait beau et donc le, la plupart du trajet, la neige avait fondu. Quand tu fais du vélo avec un petit en siège bébé sur la neige, toujours c'est long. Mais end of thread. Ah non, mais c'est ce que je disais, quand il y a de la neige, fais pas de vélo. Oulala là là. C'est dangereux de faire du vélo quand il y a de la neige. C'est pareil pour la moto, hein. ne faites pas de moto quand, il, quand la route est enneigée. C'est une très mauvaise idée. Oui, euh, l'île pile, le croisement de Saint-Michel reste problématique. Et ce, ce nœud là, euh, qui est au niveau de la fontaine euh, du Luxembourg, là c'est pareil, c'est problématique. Parce que vous allez le voir, là on quitte la bidirectionnelle, donc on prend une voie de bus qui est autorisée pour les vélos, donc là on est encore protégé. Là le feu va passer au vert, voilà. Et là en fait, euh, la voie de bus sera légèrement déportée sur le, la gauche pour continuer tout droit. Et là, il y a le début de cette bidirectionnelle qui va nous emmener à d'enfer Rochereau, jusqu'à d'enfer Rochereau. Donc, ça, c'est la partie qu'on n'a jamais prise ensemble, qui longe la fin du jardin du Luxembourg et qui va jusqu'à la closerie des lilas. Attention, vérifie qu'il n'y a pas de piétons. C'est bon, on peut y aller. Hop C'est parti Lille Pile nous dit J'ai chuté jeudi sur la neige, justement, c'était pas une bonne idée le vélo. Moi, j'ai pris le vélo. Alors, j'ai pris le vélo en connaissance de cause. C'est-à-dire, j'ai évité de rouler trop tôt le matin où il, faisait, où il faisait très très froid parce que là tout est gelé en fait. Euh, là c'est plus un problème de neige, un problème de verglas. Et j'ai dégonflé mes pneus. Donc ça c'est aussi une. Quand la. Quand on en parlait tout à l'heure à Fontainebleau, quand la quand l'adhérence est précaire, bah vous dégonflez les pneus. Comme ça il y a plus de surface au sol. Euh, j'ai mis 2 kg à l'avant, deux kg et demi à l'arrière. Je veux dire que c'était un peu. Bon, là, il y a un chantier souterrain qui a une emprise sur la, la piste cyclable. Donc, euh, il nous dévie sur le trottoir. Il fallait nous dévier quelque part. Donc, c'était soit sur la route, soit sur le trottoir. Bon, bah, de toute façon, il n'y avait pas de bonne solution. Donc, euh, voilà, on est sur le trottoir. On fait attention. On roule au pas. Et hop, on reprend cette nouvelle piste cyclable qui est drôlement bien. Hein. C'est spacieux. Le revêtement, il est nickel. Il y a des petits îlots pour les arrêts de bus. Il y a des motos qui grillent les feux rouges. Vous inquiétez pas, dans deux minutes on la rattrape la moto qui a grillé le feu rouge. Parce que c'est ça en fait en ville, les gens ils comprennent pas, ça sert à rien de griller des feux rouges parce que ou alors tu passes ton temps à griller des feux rouges. Mais comme je vous le dis toujours, statistiquement il y a un feu sur deux qui est vert. Ah ben oui, c'est la statistique qui tue, hein. un feu sur deux est vert. Euh, donc potentiellement, il n'y a plus que la moitié des feux euh, à respecter, et puis sur ces feux à respecter, il y en a qui vont passer au vert au bout de 10 secondes. Vous veut pas me dire qu'on va perdre du temps quand même. Hein. Le sujet feuilles mortes mouillées à Paris a plus de sens que... Ah euh, ouais, alors ça, que je suis d'accord avec toi, euh, le début de l'automne, avec les petits, euh, petits giboulets euh, et les feuilles mortes euh, sur les pistes cyclables, ça, c'est vraiment casse-gueule. Oui, euh, euh, Barastor, bonjour à toi. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que d'ailleurs que les associations militent, euh, C'est pas pour faire chier le monde. En fait, c'est pour essayer de rendre un, un environnement euh, confortable, sécurisé, pour que les gens utilisent le vélo. Là, en l'occurrence, tu, tu, moi, tu dis, tu euh, t'emmènes ton fils de, de 8 ans à bicyclette sur une bicyclette comme ça. J'y vais. Il n'y a pas de problème. Il ne se met pas en danger. À la limite, il va se croûter parce qu'il a, je sais pas moi, il a tapé dans un nid de poule, je sais pas quoi, mais il se fera pas écraser par une voiture. C'est ça qui est important en fait, c'est de donner le, de donner de la place pour qu'on se sente en sécurité. Donc voilà, là, donc là c'est la, 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 la fin du, du chantier. Donc là, vous voyez, ils ont tous le, leurs blocs là en granit qui sont là qui attendent. Euh, donc là, à nouveau, il y a un nœud euh, qui est qui n'est pas réglé pour le, bah, le franchissement de ce carrefour. Euh, si on va tout droit là, vers l'observatoire, euh, on on, là, il n'y a plus de protection, il n'y a plus rien. La preuve, hein, ce camion qui vit sa vie. Hop là. Et donc là, en revanche, on est dévié vers la circulation générale pour une raison toute bête c'est que le chantier est en cours de réalisation. Donc là, vous voyez ce qui est à ma droite, c'est une, euh, une belle piste cyclable, c'est plus bidirectionnel à ce moment-là. C'est uniquement euh, vers le sud, sachant qu'il va y avoir le pendant de l'autre côté de la route, qui va être une piste cyclable qui va aller vers le nord. Voilà. Alors là, bon, là, c'est la jungle totale. C'est la jungle totale parce qu'il n'y a plus aucun équipement, il y a des lignes jaunes partout. Personne ne sait où est-ce qu'il doit mettre ses roues. À commencer par les voitures. Euh, donc, c'est pénible. Donc, n'allez dans ces environnements-là que si vous êtes un cycliste aguerri. Alors, Toine, tuer les gens, ça, ça, ne, ça, ça ne résout rien. Monsieur Chat est d'accord. monsieur Chat, est, monsieur Chat mis d'accord. Monsieur Chat est mitigé. Oui, euh, l'île Pile, c'est ce que je disais, c'est que généralement les gens qui brûlent les feux rouges, euh, attends deux minutes et tu, tu, tu les rattrapes au feu rouge d'après, qui ne peuvent pas griller parce que bah, je sais il y a de la circulation. Et alors en revanche, les ondes vertes, elles ne sont pas installées partout. Hein. Non, Altos, euh, c'est une bonne question que tu poses, mais je, je tiens à te rassurer. Le fait que les, les, les vélos assistance électrique, qui ne sont donc pas des vélos électriques, hein, euh, soient limités à 25 km/h, euh, fait qu'en fait, il n'y a, a pas une grosse différence de vitesse entre les vélos assistés euh, par l'électricité et les vélos classiques, comme moi. Euh, et je ne pense pas que tu puisses, de toute façon, dépasser les 20 km/h de moyenne. En vélo assisté, euh, par, par, c'est la même vitesse moyenne en fait avec un vélo normal au final. La grosse différence euh, entre les deux, c'est que bah, tu fais pas d'effort ou tu fais beaucoup moins d'efforts pardon euh, sur un vélo assisté que sur un vélo classique. C'est la seule différence en fait. Tu vas pas plus vite. C'est un bébé piste cyclable, exactement. Il est, il est en train de. Il sort de sa chrysalide. Aguerri, prête à faire la guerre. Exactement, Crazy Warthog. bah oh, ben, tu sais, il y a des passages. Euh... Enfin, moi, je me suis déjà appuyé sur des carrosseries hein, pour, euh... <laughs> pour, pour éviter de mourir avec trois R. Mourir. As-tu un top 3 des endroits les moins bike-friendly à Paris Alors, Frédéric François Fellman, je pense euh, automatiquement je pense à quelques portes de Paris. Euh, C'est des, des endroits qui ont été euh, largement documentés, signalés, etc., qui sont soit en cours de modification, soit prévus pour être modifiés. Je pense à la porte de bagnolet, euh, la, la porte maillot avant qui commence les travaux, etc. etc. Attention de venir ralentir. Il y a un deux-ton avec un gyrophare. Voilà. Euh, donc, ça, c'est vraiment des. Parce qu'en fait, c'est des nœuds historiquement euh, qui, euh, organisés pour que les, les véhicules rentrent dans Paris. Voilà. Donc, c'est des échangeurs d'autoroute en gros. quoi. la porte d'Orléans, c'est pareil. Donc, ça, ce serait le, le, la première chose. Sinon, plus généralement. C'est finalement euh, c'est plutôt des arrondissements ou des morceaux d'arrondissement où la population euh, est, est, est pas du tout euh, euh, perméable à l'idée de la bicyclette. Euh, donc c'est euh, du 16e arrondissement, c'est des choses comme ça, où on voit euh, très très peu d'équipements vélos, énormément de voitures, euh, puis des gens qui prennent la voiture pour faire 500 mètres. Mais euh, tombez pas de votre chaise, hein, c'est pas nouveau euh, je crois qu'à Paris, là, le, le déplacement moyen pour une voiture, c'est moins de 2 km. Et, euh, je pense que si on, si on considère qu'il faut un peu de temps pour se garer, vous avez plus vite fait d'y aller à pied. Crazy <laughs> Warthog, qui dit porte de bagnolet. Ouais, non, porte de bagnolet, c'est. malheureusement, il y a eu des morts à bicyclette là-bas. C'est ce qui fait un peu avancer les dossiers. Euh, c'est un, un peu sordide, mais. Quand il y a des morts à bicyclette, le levier de négociation il, devient, il se décuple. Lille Pile nous dit d'après l'afficheur de mon petit vélo électrique, il roule à 19,5 de moyenne. Et eh bien ça doit être à peu près le, le même que l'afficheur de mon petit vélo à moi qui n'est pas électrique, qui n'est pas à assistance électrique. Alors, non porte-maillot, une fois terminé, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau, euh, au niveau partage de l'espace. Vous avez vu d'ailleurs, euh, place de la Concorde, là ça y est, c'est acté. La moitié euh, qui a été mangée aux voitures euh, suite aux installations de la Coupe du Monde de rugby euh, ne sera jamais rendue aux voitures. Ça y est, c'est acté. Donc euh, le plan de circulation tel qu'il est, qui passe uniquement à l'ouest de l'obélisque, euh, restera tel quel. Et l'autre partie, euh, après les Jeux olympiques, sera paysagée pour euh, en faire... Une espèce de sas de décompression de je sors du jardin des Tuileries et, euh, et voilà, je peux garer mon vélo ou je peux prendre une glace ou voilà. Une consultation vient d'être initiée pour enterrer une partie de l'échangeur avec la 3. Alors accessoirement, c'est pas joli en fait. C'est un peu le problème du truc. Et c'est tellement colossal comme, euh, comme, comme œuvre euh, au, au sens euh, DDE de la chose que c'est compliqué de... de c'est comme ils veulent par exemple enterrer euh, la moitié du périph', etc. Attends, bon courage, hein, les, les travaux là, c'est colossal. Un principe de tyrolienne en libre-service en cas de non-paiement de l'abonnement, la tyrolienne en rond en plein travail. Mais de quoi tu parles, Nidifix vers de Paris, je supprime les voitures, j'installe les tyroliennes en hauteur. Mais on part tous de la tour Montparnasse, du coup, euh, c'est ça Les petites et les petites boutiques de livres devant la bibliothèque, ils reviendront. Devant la bibliothèque Devant quelle bibliothèque euh, Près des gondes. Donc là, on arrive au parc, au parc Montsouris. Alors je vous disais donc l'intégralité du tour du parc Montsouris est en réorientation. Euh, euh, donc là par exemple la montée euh, pour aller vers les Maréchaux euh, est bouchée. Donc là on avait une piste cyclable à droite, une piste cyclable à gauche, une voie voiture qui montait et c'est tout. Voilà. Donc il y avait trois axes. Euh, ils vont conserver ça, mais ils vont. Euh... Alors, je ne sais pas s'ils vont la mettre dans l'autre sens. Ils vont peut-être euh, échanger le sens de circulation. Mais surtout, ils vont mettre des. Avant, c'était des, des bandes cyclables, euh, type euh, corona piste euh, un peu à la, à la va-vite. Euh, et là, ça sera des séparations en dur, en granit. Est-ce une bonne chose ce changement Je ne sais pas de quel changement tu parles, Corellison. Si c'est euh, la redistribution de l'espace public, oui, je pense que c'est une bonne chose parce que euh, tu, tu, tu prends cet exemple-là, par exemple-là. Bon. Ça, c'est une rue classique. Il y avait une voie, là, il y a une voie qui descend, une voie qui monte pour les voitures. Regarde l'espace qui est dédié aux piétons, donc c'est les trottoirs qui sont à droite et à gauche. Regarde l'espace qui, qui est dédié au vélo, soit zéro. Et là, tu te dis, mais pourquoi est-ce que 80 de l'espace public est dédié à la voiture, alors que 80 des gens ne se déplacent pas en voiture Ça t'a pas échappé. C'est donc, euh, c'est donc pas, un, enfin, c'est un changement qui est en fait une redistribution de l'espace public. C'est, c'est pourquoi est-ce qu'on donne tout à la voiture Pompidou avait déclaré, euh, sur le ton de la plaisanterie, je le précise parce que c'était pas vraiment sa feuille de route. Euh, que la ville devait s'adapter à la voiture, mais en fait, euh, c'est pas le cas du tout. Le, 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 la voiture, c'est une invitée aujourd'hui, et elle doit s'affranchir de tout un tas de contraintes qui sont les contraintes des gens qui pratiquent l'espace public euh, avec eux. Voilà. Et là, pareil, sur ce tronçon, donc ça, là, on va, on va passer au milieu de la... Ah là, on ne voit pas parce que ma caméra n'est pas assez haute. Euh, donc là, c'était une double voie de circulation voiture avec une bande cyclable plutôt rikiki pour les vélos. Donc là, ils sont en train de faire deux, bandes, deux pistes cyclables de part et d'autre de la chaussée et une rue pour les automobiles au milieu, enfin, euh, une voie pour les automobiles au milieu qui sera euh, à sens unique. Alors, je ne sais pas si ça sera pour sortir de Paris ou pour rentrer dans Paris, je pense qu'à cet endroit-là, c'est plus pour, rentre, pour euh, sortir de Paris, pardon, puisqu'à quelques centaines de mètres, euh, un peu plus à l'ouest, on a la, la porte d'Orléans, la, la porte de euh, Châtillon, pardon, et la porte de Châtillon. Effectivement, là, c'est vraiment un échangeur. Euh... Donc là, ils sont en train de déceler des pavés et mettre des bordures en granit euh, pour matérialiser une piste cyclable. Avant, vous voyez, il y avait vraiment deux voies de voiture et vraiment un petit ragnoton là, pour les cyclistes euh, côté droit là. Mais ce n'était pas vraiment euh, idéal, sachant que moi je passe tous les jours par ici et c'est un gros échangeur de voitures. Euh, Waze, euh, Waze doit dire, bah tiens, c'est plus pratique de passer par là. Et vu que les gens maintenant ne conduisent plus, ils juste ils écoutent Waze, euh, bah, forcément, on passe par là. Je parlais des petites boutiques le long des quais de Seine qui ont dû déménager pour cause de JO. Ah non, fred Ronde, moi j'en vois encore beaucoup des bouquinistes. Hein, euh, j'en ai pas vu qui, était, qui, a, qui ont déménagé. Hein. Ah, on est pas, euh, je passe tous les jours devant les bouquinistes. J'ai pas vu euh, de changement. Ça sent le déménagement permanent. Je sais pas quoi tu fais référence, Fred. C'est bien que les choses changent, mais je connais des gens pour qui la voiture est prioritaire sur tout. Bah oui mais la, tu sais, la voiture, c'est un, un outil euh, personnel. Hein. Euh, imposer la voiture, c'est un peu comme si moi j'imposais le vélo. C'est ridicule. Euh, c est, c est, ça n'a aucun sens. Euh, moi, mon credo, c'est de dire euh, quand on a un mètre carré, à quoi on le, dé, à quoi on le dédie voilà. Est-ce qu'on met 80% pour la voiture et le reste pour les autres ou est-ce qu'on se, con est qu se concerte Et que moi j'étais papa à Paris avec une poussette dans le marais, bah, je peux vous dire que euh, ça passait pas partout la poussette. Hein. Les trottoirs, ils sont en ikiki. Euh, et depuis, donc bon, mon fils a 22 ans, ça fait longtemps qu'il est plus en poussette. Mais euh, depuis, il y a beaucoup de ces rues qui sont devenues piétonnes. Et effectivement, je vois les familles maintenant avec des poussettes et je me dis, eh bah, leur vie, elle est vachement plus simple que la mienne à l'époque. Bah, c'est un peu ça le truc, c'est c'est vraiment une question de de, de, de perception euh, d'éducation. C'est un peu loin, mais c'est un peu fort, mais de perception. Parce que pendant des années, des années, des années, on a dit à tout le monde la voiture, c'est la seule solution. Ah. Et quand c'est pas la solution, bah, les, on va faire des parkings plus grands euh, et puis on va faire des, on va faire plus de routes. Euh, etc, etc. Donc c'était un vrai message. Et puis il y a un gros lobby derrière, je ne suis pas conspirationniste, hein, mais euh, l'industrie française, euh, c'est quelque chose qui est prégnant. Il euh, n'y a pas la même industrie en Espagne ou en Belgique, par exemple. Euh, l'industrie française, c'est quelque chose d'important, l'industrie automobile, hein, je parle. Euh, pareil pour l'industrie le, le, de l'énergie. De, de, de euh, on a des gros industriels d'énergie en France. Donc tout ça faisait un tout qui était cohérent. Voilà, bah on incite la voiture, euh, on fait des reprises à la casse, on fait des machins, on fait des trucs, et on incite les gens à acheter des voitures, à consommer. Alors que c'est pas nécessaire. Denis en mode trial. Bah ouais, bah moi j'aime bien. Hein. Même avec mon petit vélo de, de ville, je descends des trottoirs, des escaliers même. Regarde celui-là, hop, celui-là il est grand. Hein. Oula, celui-là il fait au moins 35 centimètres. Cérébos nous dit « Mon ancien boss prenait sa caisse pour traverser Paris. Il mettait 1h15 en, maudis, en maudissant Hidalgo. En métro, ça prendrait 40 minutes et en vélo, ça prendrait 30. » Voilà. Oui, mais ton boss ou ton ancien boss, Cérébos, euh, il pouvait écouter, rire et chansons dans sa voiture et fumer des clopes. Il était chez lui, en gros. Tu vois, donc, c'est tentant hein, quand, tu, quand tu te dis « Je vais prendre ma voiture que j'ai achetée, qui est ma voiture. Bah, c'est ma caisse. » J'ai des gens t'en alu. J'ai un, un volant en cuir. Euh, ça fait vraiment partie de ta personnalité, tu vois, c'est de ton, ton prolongement, ta voiture. Et le monsieur, là, qu'est-ce qu'il fait bah, Il prend un sens interdit. C'est marrant parce que donc, le mec, il a quand même tout un tas de signaux derrière sa voiture, genre attention aux enfants, handicapés, mobilité, machin. Le mec, il prend un sens interdit, mais il pépouse. Bon, après, il va s'en rendre compte assez vite parce qu'il va avoir une voiture en face de lui. Non, non, je ne dis pas que les lobbies euh, gâchent tout, hein, mais, euh, mais mais euh, voilà, Et c est, c est, ça, ça a été un message euh, martelé pendant des dizaines, des dizaines d'années. Euh, moi, j'étais, je n'étais victime aussi hein, quand j'étais plus jeune. J'ai acheté une voiture, j'ai acheté une voiture de sport. C'est ah, trop cool la bagnole, la bagnole, c'est trop cool. Et après, quand on sort un peu de la secte, on dit mais qu'est-ce que je foutais, quoi je, foutais, je faisais n'importe quoi. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. <laughs> la transition, tout ça, c'est moi. Ça, c'était pour ceux qui y arrivent maintenant. Ça, c'était le petit trajet qu'on a fait dans la forêt de Fontainebleau. Une petite boucle de 30-35 bornes. Euh, voilà, à rouler entre les entre les fougères et les, et les rochers. C'était bien sympa. Vraiment, c'était cool. Et on va refaire ça au printemps, vous allez voir. Euh, le fond d'écran du jour, Jason de la rocca Jeanne de la Roca euh, qui doit se réveiller aujourd'hui euh, en ce moment parce que il habite sur le continent nord-américain, c'est un citoyen canadien, un ami à moi qui fête ses 50 ans, Jason, happy birthday, joyeux anniversaire avec l'accent québécois que je n'ai pas. Euh, je, sur ces entrechats, je vais vous laisser qu'est-ce qu'on a, qu qu a dans le planning monsieur Chal. L'émission demain. Ah ouais, bah il y a l'émission demain, nous dit-il. Mais entre temps, il y a rien ou alors ça sera une surprise. Je sais qu'Isual ils aiment bien. De temps en temps, il pop, il fait exactement euh, avec ces mots. Euh, et euh, est-ce qu'on a des amis de Denis qui sont en train de streamer qu'on pourrait euh, raider euh... Ta 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 oh bah y'a Boulet vous, vous aimez le dessin Vous aimez la BD Vous aimez les gens cool Parce que Boulet, il est cool. C'est Boulet, Corp. Allez, on va arrêter Boulet. Moi j'aime bien. Vous lui faites un bisou de ma part. Red Boulet. C'est Boulet, Corp avec un P. Hein. Ouais. Euh... Et moi, euh, bah, moi je vous dis à mardi prochain. On va bien rigoler. Si ça, vous... si, si ça le fait, on va les rouler dans les Yvelines. Oh, ça va être génial. Euh, gros bisous à tous. à mardi prochain. Amusez-vous bien. Dites bonjour à Boulet de ma part. On lance le raid. C'est Tipar. Allez, y vous est parti.